Très bien, bonjour. Je vous propose de commencer tout de suite. Donc Olivier Segard, merci à Pierre-Antoine pour cette présentation. Alors, Monsieur Jean-Paul Carsanti, après un doctorat en sciences économiques de l'Université de Paris 1, a exercé dans de nombreuses instances publiques et parapubliques. Et j'ai noté un point parmi, je dirais, toute la richesse de votre parcours, hein, je me suis permis. Il a cofondé le projet de recherche européen, bien connu Eureka, en 1985. Monsieur Carsanti est actuellement ingénieur de recherche au CNRS et membre du Centre d'études des techniques, des connaissances et des pratiques de l'Université Paris 1. Depuis plus de 35 ans, eh oui. Il analyse des enjeux d'intérêt général. Ses réflexions à caractère épistémologique et stratégique sont inscrites dans le cadre principal de l'économie, dans les domaines de la recherche et de l'innovation. Il s'est résolument orienté depuis 20 ans environ sur la caractérisation, et là je reprends simplement le pitch qui vous a été donné dans les documents distribués et qui commence à introduire la présentation, sa présentation de ce matin. Il s'orientait donc depuis 20 ans sur la caractérisation de la tension entre les technosciences inscrites dans le développement rapide de sciences et de techniques performatives et le technomarché dont la dynamique de financiarisation globale menace la diversité tant de l'innovation que de la recherche. Il ne cesse d'attirer l'attention sur les effets délétères pour la décision publique d'une insuffisante prise en compte de ces approches, de cet objet, dans l'effort général de recherche et de réflexion. Il a par exemple publié en 2004, dans la note de la Fondation Jean Jaurès, « Servir un vivre ensemble durable, un cap politique pour la recherche et l'innovation ». Sa présentation d'aujourd'hui est intitulée « Big Data, mégadonnées », une introduction dont j'ai envie de vous dire, c'est entre guillemets la partie big de la journée. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous demande d'abord une grande indulgence. La voix de Monsieur Segard était audible, la mienne ne sera pas forcément autant. D'abord, merci Madame la Directrice pour votre accueil. Merci également à Messieurs Avenatti, Chardel, Guibard et Segard pour votre invitation. Ce sujet des big data commence à être connu médiatiquement, naturellement, et nous n'avons de cesse que de tenter de le penser au fur et à mesure qu'il évolue. Moi, je vous propose un voyage, je ne sais pas si j'arriverai jusqu'au bout, mais on va essayer, en quatre étapes. Un voyage en quatre étapes, auparavant, un préambule, avant que nous partions dans ce voyage, préambule qui va nous y préparer et lequel porte
de cela va de soi, sur les caractéristiques des mégadonnées. Des mégadonnées, des big data, c'est la traduction du journal officiel de la République française. En tout cas, les caractéristiques qui apparaissent les plus importantes. Alors on a commencé à en parler de manière très très substantielle déjà ce matin, et je vais à ma manière reprendre les choses. Donc les big data sont de grandes quantités de données, jusque-là je n'ai strictement rien dit, sans qualité apparente, structurées ou non. Mais lorsqu'elles sont numériquement analysées avec des outils adaptés, elles charrient des informations indiquant des tendances. Des tendances au sens d'émergence, de sens ou de direction. Jusqu'à présent, on ne disposait que d'échantillons, donc de petites quantités de données, souvent qualitatives, chargée et cohérente, qui débouche, après analyse, sur des informations où s'exprime une logique de précision et d'exactitude. De précision et d'exactitude. Alors pourquoi aujourd'hui certains acteurs concentrent davantage leurs espoirs autour de la recherche de la tendance, au point d'en faire un méta-objectif implicite? Eh bien parce que, face à un objectif, et en mobilisant des moyens, les mégadonnées, elle aurait un pouvoir de prédictibilité supérieur à celui qu'offrent la précision et l'exactitude, auxquels nous étions techniquement contraints jusqu'à présent. Dit autrement, et dans le cas général, de grandes quantités de données, organisées en catégories non homogènes de multiples échantillons aléatoires et de niveaux granulométriques différents, pour peu qu'elles soient enregistrables et enregistrées, auraient le pouvoir, c'est encore une question, grâce aux nouvelles méthodes de traitement numérique, de mieux prévoir ce qui pourrait advenir. Ce qui pourrait advenir, plutôt que par des petits échantillons de données à catégorie homogène. Alors, on résume souvent les propriétés originales des big data par la formule qu'a énoncée M. Guibard il y a un instant. Il y a une variante, les 3V, ça peut être aussi volume, variété, vélocité. On le présente des deux manières, des deux façons. Indirectement, on invoque là le fait que l'augmentation du nombre de données est plus importante en termes de résultats, je le mets entre guillemets ce mot pour l'instant, en termes de résultats escomptés, que l'augmentation de la rapidité des machines et de leurs puces est plus importante même que l'augmentation des performances des algorithmes. Alors, ne perdons pas de vue toutefois que ce que l'on appelle résultat se rapporte souvent, pas toujours mais souvent, à un référentiel économique, c'est-à-dire à la rapidité d'obtention d'informations pour un coût minimum. On oublie souvent de le rappeler. Voilà donc, au fond, que deux mondes différents se juxtaposeraient aujourd'hui. Celui ouvrant sur la tendance, lequel deviendrait inexorablement dominant, et puis celui actuel, encore fondé sur l'exactitude, lequel deviendrait récessif. J'en ai terminé pour mon introduction et je vous invite donc à la première étape de notre voyage. Il est tout à fait naturel
que cette première étape concerne ce qu'on appelle la révolution numérique. Mais j'irai assez vite. Les nouveaux outils des banques, des big data, sont issus de la révolution numérique. Alors, on l'a dit déjà ce matin, mais la pédagogie est l'art de la répétition. Les machines, puis les réseaux, puis les logiciels. Voilà les trois premiers temps du développement de l'ère numérique depuis 50 ans. Et le quatrième temps, aujourd'hui, donc, serait celui des données. La puissance de nos outils cognitifs et techniques a beaucoup progressé et ne faiblira pas. En effet, si on remonte aux abacs, aux chiffres arabes, à la comptabilité en partie double, à la notion de moyenne si importante au XIXe siècle chez Quetelet et Gauss, moment majeur de cette progression, puis à l'époque contemporaine aux outils analogiques, s'est ajouté un outil de performance, la numérisation, pris au sens large, lato sensu. En particulier, des satellites en batterie qui autorisent la mise en données par géolocalisation, les GPS. Des logiciels de reconnaissance optique, de caractère, qui autorisent le traitement et l'analyse numérique par ordinateur. Indexation de lettres, mots, phrases, paragraphes à partir de l'image numérique d'une page et à l'aide d'algorithmes. Vous savez, les algorithmes, ce sont ces processus de calcul qui, une fois formalisés, se passent gentiment de toute instruction humaine et sociale. Et le tout boosté, comme on dit, par des technologies de semi-conducteurs qui, de plus, n'ont pas dit leur dernier mot. On le voit encore actuellement chez Intel et avec ses futures mémoires flash NAND qui bientôt autoriseront un accès rapide à de larges volumes de données. Car le grand projet qui traverse la numérisation, c'est bien la mise en données de tout phénomène. Ce qui revient à quantifier les informations dont on dispose. Dit autrement, serait écartée une représentation du monde comme suite d'événements interprétés en tant que phénomènes naturels ou sociaux et émergerait une représentation du monde pour l'essentiel composée d'informations transformées en données quantifiées. Notre façon d'appréhender la réalité serait donc altérée. Modification, toutefois, pas toujours aisée à qualifier. Ce que l'on peut dire, c'est que la commensurabilité que permet la quantification semble détenir un pouvoir invasif sans limite. Elle concerne les individus, les groupes, le réseau, la masse, les organisations, tous désormais considérables en tant qu'unité d'analyse commensurable. Mais également les interactions, relations, expériences, état d'âme même. Ça se mesure parce que ça quantifie. Ça se quantifie, voie royale du calcul. Le champ d'une telle ambition, où il s'agit toujours de recueillir, puis d'enregistrer les informations, de les stocker, de les rendre disponibles, de les traiter, de les utiliser, puis de les retraiter une ou plusieurs fois, est aujourd'hui considérablement élargi. Ambition, je me répète, qui alimente de manière originale, et j'emploierai moi-même la même expression que Viorca, la dynamique cantophrénique contemporaine qui aurait pris son essor moderne, voilà 4 siècles. Voilà pour la première étape de notre voyage. J'en arrive à la seconde. Je vais me permettre
de m'arrêter quelques secondes pour boire un peu. La seconde étape est une étape qui est un peu difficile et elle est d'importance et elle appelle votre attention. S'agit-il d'une révolution épistémologique également ? Une révolution numérique, oui, d'accord, technologique, mais est-elle une révolution épistémologique ? Une question un peu compliquée, je vais l'aborder à travers trois questions. Je les énonce d'abord. La question de la cause d'abord. Ensuite, la question de ce que j'ai appelé, faute de mieux, la prise en charge prédéterminée du raisonnement. Et enfin, la question de la théorie et de la vérité. Voilà, je vais traiter chacune, très brièvement naturellement, chacune de ces trois questions. La question de la cause d'abord. Comme source première de sens, à travers la relation entre cause et effet, la cause qui est censée supporter la majeure partie de nos raisonnements, de nos analyses et de nos décisions d'action, serait fortement concurrencée par la corrélation. C'est le mot-clé. A. Pour les non-familiers de la notion de corrélation, voici quelques mots. La corrélation, c'est ce qui quantifie la relation statistique entre deux valeurs. La corrélation est dite forte si une valeur a de fortes chances de changer quand l'autre valeur est modifiée. Elle est dite faible dans le cas où une valeur a de faibles chances de changer quand l'autre valeur est modifiée. Aussi, quand on analyse un phénomène par la voie des corrélations, on n'est pas renseigné sur son fonctionnement interne. En revanche, on peut identifier les meilleures données susceptibles à une imprécision près de s'y substituer. La corrélation va donc permettre, à l'aide de modèles mathématiques, de repérer les meilleures données substitutives à un phénomène et de mettre en exergue des phénomènes aux parties liées, c'est-à-dire des phénomènes à la corrélation forte, autorisant une meilleure analyse prédictive. Donc retenez l'importance de cette notion de corrélation que vous verrez très très souvent. Deuxième question, la question de la prise en charge prédéterminée du raisonnement. Alors, la corrélation induit une démarche qui suppose, sans le dire, le compromis suivant. Si vous acceptez de renoncer a priori à chercher quelque chose de précis en vous référant à la cohérence d'un sujet, alors vous gagnez à pouvoir envisager sans délai des questions que vous n'aurez pas identifiées au préalable. C'est une sorte de deal qui ne dit pas son nom. La corrélation ne recherche donc pas la cause d'un phénomène. Elle ne recherche pas son pourquoi via un détour méthodique par l'exactitude, la précision et l'ordre via la catégorisation a priori et la mesure. Non, non. En desserrant ces contraintes-là, en consentant à l'idée qu'il s'agirait là, non pas d'un défaut à réparer, mais bien d'un compromis à accepter, eh bien, elle permet de prévoir plus efficacement les tendances
auxquels ce phénomène sera soumis. Les turiféraires de la corrélation, c'est-à-dire les passionnés de la corrélation, résument les choses ainsi, je les cite, « Savoir quoi et non pourquoi n'est-ce pas largement suffisant ?» N'hésitons pas à affirmer que la démarche par la corrélation est à même de comprendre le monde mieux que ne le fait la démarche par la cause et la relation cause-effet. Bref, selon eux, la corrélation rapprocherait de la réalité, en ce que celle-ci serait d'une part enregistrée ou enregistrable statistiquement, d'autre part pratique, plus plastique, impliquant de nombreux facteurs en jeu. Voilà pour ma seconde question, la prise en charge prédéterminée du raisonnement, oui ou non. La troisième question, toute simple, toute banale, la question de la théorie et de la vérité, rien que ça. Il n'en fallait pas davantage, en effet, pour annoncer la fin de la théorie, donc de l'approche moderne de la science fondée sur la recherche de la vérité. L'un des premiers à le faire fut Chris Anderson en 2008 dans un article désormais fameux qui a donné lieu à d'innombrables commentaires et exégèses. J'ai voulu retenir l'analyse d'une jeune philosophe qui était doctorante à l'époque, il y a un an et demi, qui est peut-être docteur aujourd'hui, Anne Alombert, à Paris 1, qui explique longtemps dans un article que tout compte fait, je la cite, « La corrélation rendue visible par le traitement algorithmique des données, quelque efficacité prédictive ou descriptive qu'elle puisse avoir, ne remplace en rien une hypothèse théorique. » Fin de citation. Mais elle ajoute que, et elle ajoute que les données numériques ne constituent pas le réel, qu'on en passe toujours par une médiation. Enfin, que la vérité, dont elle avance les aspects qui en conditionnent les régimes, n'est pas à chercher derrière cette médiation. Et de formuler la seule question pertinente à ses yeux, qui est de savoir comment produire de la vérité dans le numérique, de la vérité dans le numérique, et non pas la vérité du numérique, c'est-à-dire comment les technologies numériques modifient les manières de construire des vérités. On le voit à travers les trois questions que j'ai évoquées. Ces problématiques ouvrent la possibilité d'intéressantes controverses que je n'ai fait qu'effleurer. Mais j'ai fait une impasse considérable sur d'autres questions, à la fois volontairement, parce que ce sera le sujet, et ça a commencé à l'être, d'une grande partie de notre journée, mais aussi par incompétence personnelle, la question de la forme et la question du visible, et donc la question de la data visualisation. Permettez-moi de m'en tirer par une pirouette en disant que, précisément, cette question de la forme et la data visualisation est un point aveugle de ma réflexion. Mauvais jeu de mots, pardon. Je m'arrête une fois encore avant que nous arrivions à notre troisième et avant-dernière étape. Alors, évidemment, il nous faut parler économie. Donc, je vais vous parler de la transformation de la chaîne de valeur économique et de ses acteurs. Ce sont des aspects majeurs, bien sûr. Ces banques de données, où les trouve-t-on ? On les trouve dans les entreprises, dans les puissances publiques, c'est-à-dire l'État, les collectivités diverses, dans les laboratoires de recherche, dans les ONG, dans les objets personnels ou collectifs connectés, dont le web et les réseaux sociaux. Quelques mots sur les métiers. De nouveaux métiers sont appelés.
les médias ont repéré celui de data scientist, c'est-à-dire c'est l'expert scientifique des données qui réunit des compétences transversales de statisticiens, de programmeurs, de logiciels, d'infographistes, mais aussi de compteurs, C-O-N-T-E-U-R. Il y a aussi, et je ne sais pas trop comment le nommer, ce que j'appelle l'intermédiaire consultant, bon, faute de mieux, hein, qui fait office de manipulateur de flux d'informations sur longue période en conjuguant différentes banques de données, versus le data broker. Alors lui, c'est plutôt le financier pressé. Et sur le marché, il y en a beaucoup, beaucoup. Enfin, il y a peut-être à l'horizon un métier qui n'existe pas encore, qui est un métier potentiel, qui est possible et souhaitable, qui est celui d'algorithmiste. Algorithmiste. Alors, soit à l'intérieur des organisations, dans un rôle de vérification des algorithmes, de leur utilisation à des fins de prévention, de vigilance et de protection individuelle et collective, mais aussi à l'extérieur des organisations, dans un rôle d'auditeur en charge public, d'éthique, de contrôle, de transparence et d'impulsion de bonnes pratiques. Voilà, ça c'est un vœu qu'on peut former, celui de l'irruption de ce métier. Alors, en deçà, il y a le domaine des formations supérieures. Juste quelques mots. Niveau master, MBA ou formation continue, mais quelques exemples, dont les écoles d'ingénieurs, Télécom, Paris Tech, avec un master spécialisé, a lancé le mouvement, suivi aujourd'hui par l'école polytechnique, en lien avec la société d'assurance AXA. Dans les écoles de commerce, les grandes écoles de commerce aussi, dans les entreprises, bien sûr, en format court, en format long, il y en a bien d'autres, je ne m'appesantis pas. Alors j'en arrive maintenant à la nouvelle chaîne de valeur économique. C'est la question centrale. La question centrale est la suivante. Mais au fond, les données rassemblées en grand nombre ont-elles une valeur? En soi, non. Ont-elles une importance implicite, latente, qui peut leur former une, leur, pardon, leur conférer une valeur économique? Et là, la réponse est oui. Leurs propriétés descriptives et prescriptives peuvent en effet se transformer en avantages concurrentiels pour des organisations, surtout pour les entreprises, où elles prendront une valeur économique et financière. Les entreprises qui sont engagées dans le service en big data, on peut les différencier en trois types, rapidement. D'abord, il y a celles qui collectent et ou qui détiennent les données et qui les gardent pour elles ou qui les cèdent par licence. Deuxième type, il y a celles qui détiennent les compétences dans leur utilisation et leur maîtrise. Cabinets conseils, fournisseurs de technologies, prestataires de solutions analytiques. Enfin, il y a celles qui ont uniquement des idées innovantes de... Uniquement, pourquoi uniquement ? Qui ont des idées innovantes de création de valeur économique et qui suggèrent la formation appropriée et opportune de grandes quantités de données comme précieuses matières premières. Hein, l'or noir, l'or blanc. Bon. En résumé, donc, trois services. Maîtrise des big data, compétences dans leur manipulation, idées de constitution de banque de big data. Quelle est la part d'intox ou d'anticipation raisonnée lorsqu'on présente les big data comme facteur d'entraînement économique? Cette question est délicate. En revanche, retenons d'une part que la valeur économique va se déplacer, ça c'est une certitude, de la technicité pure à la gestion de cette technicité et à la relation client. D'autre part, que sont à la manœuvre surtout de grands acteurs. En effet, c'est le technomarché américain
qui prospère aujourd'hui à l'échelle planétaire avec ces fameux GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, lesquels sont les maîtres des big data. Mais aussi, il y a aussi des courtiers en données du type InfoUSA. En 15 ans, Google, surtout Amazon aussi, a réussi l'intégration verticale des trois types de services que j'ai décrits. Google collecte les données, elle les expertise, elle les utilise, elle les réutilise, elle les met à disposition de tiers en accumulant donc des compétences. Enfin, elle donne à tous ses choix stratégiques une couleur, Big Data. Et si on prédit quelquefois à Google un avenir totipotent de future première compagnie au monde dans l'assurance, ou dans l'automobile, ou dans la distribution, ou encore d'entreprises majeures dans les cyberguerres, c'est en vertu de la valorisation présumée que lui confère cette matière première qu'est l'accumulation massive de données et la taille de ses bases de données dans sa maîtrise de la relation client. Cette relation client, ou cette information client, comme on l'appelle quelquefois, est cruciale dans cette affaire. Ainsi, quand Netflix capte le marché de la vidéo, c'est en proposant un service novateur qui sera guidé en permanence par l'esprit Big Data pour fidéliser le consommateur. Le technomarché américain est de loin celui qui guide le mouvement et la dynamique, mais il y a un technomarché à foyer européen, mais qui a des moyens, des stratégies plus limitées. Les manœuvres ont commencé néanmoins depuis 2 ou 3 ans. En Allemagne avec SAP, SAP, en France avec Atos qui a racheté Bull, et en accompagnement la Commission européenne qui entend créer un secteur européen des données. Pour mémoire, mais pour mémoire qui deviendra vraisemblablement en réalité dans peu de temps, il y a un début de technomarché à foyer chinois qui émerge autour d'entreprises telles que Alibaba, Baidu ou Xiaomi. Du coup, l'enjeu est clair pour tout acteur qui ne fait pas partie des grands acteurs. Résister et s'organiser surtout de façon à échapper à un destin de sous-traitant. L'ingénieur François Bourdoncle, qui copilote le plan Big Data en France, sonne le tocsin, je le cite. Le Big Data est une arme de guerre. C'est le levier avec lequel le capitalisme est en train de soulever le monde. Fin de citation. Aussi, la probabilité apparaît faible de leur mise en culture citoyenne, en tout cas aujourd'hui, du fait de groupes associés, d'autant que les personnes physiques, vous, moi, avec leurs données personnelles, pourraient se voir, volins, nolins toujours, hein, embarquer dans des logiques de marchandisation individualisée. Voilà pour la troisième étape de notre voyage. J'entame dans un instant la quatrième, qui est celle que vous attendez peut-être davantage encore, celle de ce que j'ai appelé les conséquences socio-politiques sur le libre arbitre, le bien commun et le vivre ensemble. Le réflexe est souvent d'envisager les conséquences possibles des dynamiques individuelles du « quantify self » sous l'effet du monde des « big data ». Ce réflexe n'est pas dénué de sens, loin de là. Pour autant, moi j'ai tendance à repartir de la question centrale, la corrélation, vous vous souvenez, la corrélation versus la cause, pour rebâtir les raisonnements et envisager les effets majeurs tant sur le libre arbitre que sur le bien commun et sur le vivre ensemble. Les questions sont alors riches et nombreuses,
et leurs formulations sont à ajuster sans cesse. Libre arbitre, qu'est-ce qui va prospérer relativement ? Une dynamique d'automatisation des choix, donc d'expulsion par voie technologique de la décision humaine du domaine des choix, avec en corollaire la régression du principe de finalité ? Ou bien davantage la sérendipité, l'intuition, le rebond en de multiples démarches exploratoires et ouvertes ? Vous êtes mieux à même que moi à tenter des réponses autour de ces problématiques-là. Autrement dit, la logique probabiliste que chérit le monde des grandes bases de données et le paramétrage par de puissants algorithmes marquera-t-elle la fin des temps modernes et le début d'une nouvelle phase déterministe dans l'histoire des hommes ? Avec, par exemple, des visions qui pourraient être figées de l'éducation, l'adaptative learning, qui induirait des capacités et des orientations individuelles et collectives d'autant plus prégnantes, encadrées et limitées qu'elles auront été profilées à hauteur même de chaque individu, personnalisées. Autre chose du même ordre, si nos univers mentaux étaient peu à peu colonisés, c'est pas un terme neutre, je l'avoue, par des représentations bâties sur des corrélations, les décisions que nous prenons sur une base causale finirait-elle par être incriminée au plan de la responsabilité individuelle ? Davantage encore, au sein d'immenses bases de données anonymisées, orientées corrélations. Sachez que la réidentification d'un individu et de ses liens n'est plus hors de portée technique. De sorte que tout individu pourrait avoir à répondre d'une probabilité statistique d'intention à commettre tel ou tel acte. On pense bien entendu au film culte Minority Report. Problème pour les CNIL du monde entier. Enfin, à bien y réfléchir, qu'est-ce qu'un libre arbitre s'il devait n'être plus envisagé que d'un point de vue réduit aux seuls choix qui auront été préalablement exprimés par des données déjà existantes ? Et parmi elles, seules celles enregistrables. J'en arrive au bien commun. Quelques questions illustratives. Que serait un espace public où la publicité n'a aucun coût ? Ou bien un espace public déserté d'une connaissance publique jusque-là appuyée sur les organismes publics chargés de la statistique ? Ou encore un espace public où les sciences sociales notamment, seraient in fine portées à devoir privilégier toutes les formes possibles d'utilisation des données issues du web. Doit-on s'attendre à un renforcement des effets de la gouvernementalité par les nombres, par les algorithmes ? Je renvoie aux analyses percutantes d'Antoinette Rouvroy ou d'Alain Supiot, juristes tous les deux, ou encore d'Evgeny Morozov, je le cite, une réglementation algorithmique consacrera-t-elle la prise de pouvoir des données et la mort de la politique ? Fin de citation. Un monde territoire, déjà existant par ses données numériques et se cherchant pour l'essentiel dans son optimisation technique, ne se déréaliserait-il pas dans sa propre carte ? Pour dire les choses à la façon d'un Michel Houellebecq. Là aussi, vous avez les éléments pour pouvoir faire écho de manière intéressante à cette question. J'arrive bientôt au terme de mon intervention. Que dire en outre d'une possible addiction aux univers probables et aux jeux de comparabilité qui les induisent, sinon qu'ils pourraient assécher l'émergence d'univers originaux ou non imaginés encore, avec leur incomparabilité nécessaire. Bref, comment le bien commun accueillerait-il encore l'original, le non encore conçu, l'informulé, le non pratiqué ? Je vous renvoie à ces questions.
Le vivre ensemble, enfin. La question de la protection des données individuelles et collectives contre le vol ou la malveillance constitue une thématique importante et pertinente, médiatiquement très explorée. De fait, aujourd'hui, les données personnelles n'ont toujours ni propriétaire ni règles d'usage, en particulier sur la façon d'envisager la gestion de la mémoire. Petite question, la gestion de la mémoire. Elle pose en outre de redoutables problèmes de liberté à travers ce qu'il est convenu d'appeler, et on l'a énoncé ce matin déjà, une surveillance de masse. Vous avez vu qu'il y a de l'actualité sur la question au niveau des relations franco-américaines. Comme l'a montré, mais dès le début des années 2000, la réponse américaine du Patriot Act pour assurer la sécurité. Puis les révélations ultérieures d'Edward Snowden. Enfin, les récentes crispations, on va les appeler ainsi, françaises et allemandes autour des politiques publiques du renseignement. Plus généralement, si nos choix à base de sens moral devaient être orientés par des algorithmes prédictifs, comment échapper alors à leur corollaire, la violence des échelles industrielles et des dictats collectifs, quelle que soit leur forme, parce que leurs formes peuvent être très différentes. Ça peut être un gosplan de type capitaliste ou bien une société autoritaire de marché. L'éthique des pratiques biomédicales, est-ce qu'elle fera évoluer la notion de consentement attaché à la personne? Comment enfin préserver un libre pouvoir d'agir individuel et collectif face à la menace d'une dictature de données, le cas échéant guidé par une industrie biométrique fortement concentrée? Suffirait-il d'adopter des principes de transparence des données et des algorithmes, de certification, fiabilité et validité des algorithmes et de réfutabilité, droit à réfuter une prévision? Je laisse ces questions ouvertes. Bref, quelle maîtrise des big data? Une autorégulation par les marchés, mais alors sans open data, pour cause de secret d'entreprise. Une régulation publique fondée par exemple sur une redéfinition d'ensemble du numérique autour d'un principe général de loyauté, comme semble le recommander le Conseil national numérique en France, ou encore un contrôle citoyen des big data autour d'un contrat social sur les données, bien improbable aujourd'hui. Ma conclusion provisoire tient en quelques mots. Instruments, outils, pédagogie, terrain d'enquête, métier, industrie en émergence, on le voit, les dispositifs des mégadonnées, nouveaux jalons dans la dite société de l'information, interrogent nos représentations, nos façons de penser, nos façons de voir aussi, mais vous avez vu, j'ai fait l'impasse, et de réfléchir, de croire et de valoriser. Il les modifie. Il modifie aussi nos autres instruments et outils. Enfin, il modifie nos façons d'envisager l'action en général, nos anticipations, nos démarches, nos intentions, nos décisions, nos usages. L'action d'apprentissage, l'action économique, l'échange et la transmission, et l'action politique, sa rationalité, son organisation. Les big data illustrent l'irruption d'univers nouveaux faits de cartes, de comptes, de sites qui créeront de la norme, des univers où on pourrait avoir tendance à détacher les traces nativement digitales de leurs conditions de production, pourtant souvent auto-référentiables, pour le dire à la manière d'un Dominique Boulier. Voilà, si j'ai plaidé pour les approches que j'ai développées ici, technologiques, épistémologiques, économiques, sociopolitiques, c'est que, envisagées ensemble, elles pourraient aider, me semble-t-il, à la structuration intellectuelle de ce phénomène des big data, y compris dans sa dimension thématique. Big data et travail, big data et guerre, big data, santé et pratique biomédicale, que sais-je encore. Voilà, et je nous engage à conduire
régulièrement cet exercice. Avant de vous remercier pour votre attention, je voudrais remercier Eudemeline qui m'a beaucoup aidé dans cet exercice depuis tout à l'heure. Merci beaucoup.